saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain, le vent s'élève, chassant un nuage noir. Chapitre 15, verset 37. Numbers chapter 15, verse 37. Numbers chapitre 15, verset 37. Numbers chapter 15, verse 37. Nous sommes là ce soir pour prier pour la restauration. We are here tonight to pray for restoration. Nous sommes là ce soir pour provoquer la restauration dans ta vie. We are here tonight to provoke restoration in your life. Nous avons dit que lorsqu'on parle de restauration, when we talk about restoration, lorsque le Seigneur veut restaurer une personne, when the Lord wants to restore a person, lorsqu'on parle de restauration, when we talk about restoration, nous parlons aussi de réparation. We also talk about repair. Lorsqu'on parle de restauration. When we talk about restoration, nous parlons aussi de remboursement. We talk about reimbursement. Lorsqu'une personne est restaurée, when a person is restored, elle est rétablie dans ses droits. She's reestablishing her rights. Lorsqu'on parle de restaurer une personne, when we talk about restoring a person, cette personne doit aussi être réhabilitée. That person must be rehabilitated. Elle doit occuper une bonne position. She must reoccupy the good position. Elle doit être dans un bien-être. She must live well. Lorsqu'on parle de restauration, when we talk about restoration, on parle de reposition. We talk about reposition.
On parle de réactualisation. We talk about reactualizing. Et le Seigneur a pris l'engagement dans cette saison de restaurer des personnes. And the Lord decided in this season to restore people. Et nous avons commencé par parler de la restauration de l'âme. And we started talking about restoration of soul. Parce que il dit dans 3 Jean 1 verset 2, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. I wish you above everything to be prosperous as your soul is prosperous. Nombre chapitre 15 à partir du verset 37. Numbers chapter 15 as from verse 37. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Lévitique chapitre 15. Leviticus chapter 15. Verset 19. Verset 19, il est écrit: La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Luc chapitre 8, à partir du verset 40. Il est écrit: À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. There was a woman with a blood issue. La Bible nous a dit qu'une personne qui avait ce problème pendant quelques jours était déclarée impure. A person that had that problem during a few days was declared unclean. Et lorsque tu es déclaré impur, when you are declared unclean, tu dois être exclu. You must be excluded de la société. From society. Tu dois être exclu. You must be excluded de choses même que pour lesquelles tu t'es battu. For the things you have fought for. Tu dois être exclu même au milieu des gens qui t'aiment le plus. Even in the midst of those who love you the most, you must be excluded. Ah, parce que ces personnes ont décidé de ne pas t'aimer, mais parce que c'est une loi. Not because they decided not to love you, because it is a law. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de lois qui ont fait en sorte que tu sois exclu dans certains milieux? You know, many laws make you to be excluded in some cities. Il y a beaucoup de lois qui ont fait en sorte que tu sois exclu parmi ceux qui doivent prospérer. Many laws make you to be excluded among those who have to be prosperous. Il y a beaucoup de lois qui ont fait en sorte que tu sois exclu parmi ceux qui doivent se marier. Many laws make you to be excluded among those who have to get married. Il y a beaucoup de lois qui ont fait en sorte que tu sois exclu parmi ceux qui doivent manifester l'onction. Many laws make you to be excluded amongst those who have to manifest anointing. Et ce que je veux te dire, c'est que dans la loi, the law, dans la loi où on trouve des motifs pour t'exclure, where we find reasons to exclude you, dans la même loi on peut trouver des motifs pour te réintégrer. In the same law we can find reasons to dans la même loi on peut retrouver des motifs pour te restaurer. In the same law we can find reasons to restore you. Le problème de l'église, c'est qu'on s'est plus focalisé sur ce qui condamne. Our problem is that we are more focused on what condemns. On ne s'est pas arrêté sur ce qui
acquittes. We didn't stop on what removes the fault. Dans la même parole. In the same words. Où Dieu condamne des personnes. Where God condemns people. Dans la même parole. In the same words. Dieu acquitte aussi des personnes. God delivers people. Tout dépend de ce sur quoi tu t'appuies. All depends on the base. Tout dépend de ce sur quoi tu comptes. All depends on what J'ai you vu count. Dans ma Bible. I saw in my Bible. Des choses que Pierre condamnait. Peter, people was condemning. Paul les appréciait. Paul appreciated. J'ai bien dit à quelqu'un ce soir. I want to tell someone ne me juge pas si je ne condamne pas ce que tu condamnes. Ne me juge pas si j'apprécie ce que tu n'apprécies pas. Ne me juge pas si je ne méprise pas ce que toi tu méprises. Si toi tu méprises 100 francs, moi je sais qu'avec 100 francs on peut avoir 1 million. Si toi tu méprises une petite personne, moi je sais qu'une petite personne peut grandir. Si toi tu méprises les faibles commencements, moi je sais que Dieu fait des choses grandes à partir des choses viles. Donc on n'est pas obligé d'avoir la même conception des choses. On n'est pas obligé d'avoir la même appréciation des choses. Même si ta cousine évolue d'une certaine façon, c'est son couloir. Toi, concentre-toi sur ton couloir. Même si l'église à côté fait d'une certaine façon, c'est pour eux là-bas. Nous, on a pour nous ici. Amen. Même si tes ennemis parlent d'une certaine façon, even if your enemies suffer from a certain si pour eux ça marche, if it works for them, fais ce qui te fera aussi marcher. Do what Amen. Makes you go ahead. L'église a un problème. The church has a problem. C'est qu'ils veulent faire ce que les autres font. They want to do what the others are doing. Et c'est encore plus facile lorsqu'ils sont dans la condamnation. It is easier when they are in condemnation. Dans la même loi. The same law. Où ils se sont appuyés pour condamner la femme adultère. Where they rely to condemn the adulterous Jésus woman. Jésus est entré dans la même loi là pour acquitter la femme adultère. Jesus entered the same law to deliver the woman. Vous savez, il y a des gens, c'est pas qu'ils sont trop saints en fait. Some people are not holy in real. C'est qu'ils sont méchants. But they are wicked. Il y a des gens qui sont pas saints, qui sont méchants. Some people are not holy, but they are les wicked. Pharisiens, les néo-pharisiens. The neo-pharisees. Allez, les pharisiens de notre génération. The pharisees of this generation. Ils aiment prêcher la condamnation. They like to preach condemnation. Ils aiment prêcher l'exclusion. They like to preach exclusion. Mais si nous parlons de la grâce. But if we talk about grace. La grâce. The grace. Inclut tout le monde. Includes everybody. La grâce. The grace. Restaure tout le monde. Restores everybody. La grâce. Grace. Réhabilite tout le monde. Rehabilitates everybody. La Bible déclare. The Bible declares. Que une personne qui était dans la situation de cette dame. A person was in the situation of that woman. Devait être exclue. Was supposed to be excluded. Donc juste à l'entente de cette loi, ça l'a traumatisée. So hearing about the law, she was traumatized. Quand elle a commencé à voir son écoulement de sang. When she started having her flowing of blood. Les trois premiers jours, elle se disait que c'était normal. The three first days, she thought it was normal. 4 jours, elle se dit que c'est normal. Four days, she thought it is normal. Quand elle a dépassé 7 jours, elle a compris que c'est compliqué. When it went about 7 days, she understood it is complicated. Et elle a commencé à souffrir dans son âme. And she started suffering in her soul. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui te détruisent? You know that something destroys you. Juste parce que tu sais que ce que tu vis n'est pas normal. Just because you know what you are living is abnormal. Et si les gens apprennent ça? And if people learn about. Beaucoup de gens souffrent dans leurs âmes parce quand ils pensent. Qu'est-ce que les gens vont dire? When some people think about the thoughts of others. Qu'est-ce que les gens vont dire? What will people say? Beaucoup de gens ne vivent plus leur vie parce qu'ils se concentrent sur ce que les gens vont dire. Many people no more live their life because they focus on what people will say. J'avais compris dans la parole pourquoi les méchants prospèrent. I understood in the word why wicked are prosperous. Lorsque les enfants de Dieu se sont plaints devant Dieu en lui disant dans Malachi 3, nous avons réalisé que les méchants prospèrent. When the children of God complained before God in Malachi 3, j'ai compris que les méchants prospèrent parce qu'ils s'en foutent de ce que vous pensez. I understood wicked are prosperous. Because they don't think about what une personne qui sait déjà qu'elle est bien pour l'enfer maintenant vit pour vivre. A person who is good for Hades just live. Elle fait de sa vie ce qu'elle veut. She does what she wants. Elle s'en fout de ton avis. Doesn't care about your opinion. Elle s'en fout de ce que tu penses. Doesn't care about your thoughts. Elle s'en fout de tes émotions. Doesn't care about your emotions. Mais les enfants de Dieu, but the children of God, au lieu de se focaliser sur ce que Dieu dit, instead of being focused on what God says, ils sont dans qu'en dira-t-on.
They are thinking about the thoughts of the La others. Plupart du temps, des gens ont des âmes blessées. Most of time, people have wounds at soul. Parce qu'ils vivent en fonction des regards et des dits des gens. Because your love depends on the look of the people. Et parfois, ce que j'aime sur ces gens, c'est que dès qu'ils ont déclaré leurs paroles négatives sur toi, ils ne te gèrent plus. At some point, they declare their negative word on you, they forget you. Dès qu'ils t'ont insulté, ils ne te gèrent plus. When they insulted you, they forget you. Dès qu'ils ont méprisé ta mère, ils ne te gèrent plus. When they despise your mother, they forget you. Dès qu'ils ont insulté ton pasteur, ils ne vous gèrent plus. When they insulted your pastor, they forget Dès you. Dès qu'ils ont insulté ta démarche, ils ne te gèrent plus. When they insulted your work, they forget Dès you. Dès qu'ils ont méprisé ce que tu es, ils ne te gèrent plus. When they despise your person, they Mais don't toi, tu passes you. Toute la journée à chercher à arranger. But all along the day, you want to J'ai fix up. J'ai envie de te donner un conseil ce soir. I want to give you an advice tonight. Fais l'effort de ne pas prendre en compte la vie de ceux qui ne t'aiment pas. Make effort not to consider the opinion of those who dislike you. Je doute fort qu'une personne qui ne t'aime pas te dise quelque chose qui peut t'aider. I doubt that a person who dislikes you tells you something that can help you. Je doute fort qu'une personne qui ne t'aime pas peut te dire quelque chose qui peut te faire du bien. I don't think a person who dislikes you can tell you something that will help you. C'est un conseil que je te donne ce soir. I give you this advice tonight. Qu'une personne qui ne t'aime pas ne mette pas sa bouche sur tes enfants. A person who doesn't love you Même si ton enfant est têtu, Dieu va le restaurer. Même si ton enfant n'est pas intelligent, Dieu va le restaurer. Même si ton enfant n'est pas sage, Dieu va le restaurer. Qu'une personne qui ne t'aime pas ne mette pas ta bouche dans ton affaire. Qu'elle ne mette pas sa bouche dans ton affaire. Même si pour le moment ton affaire est tordue, ton affaire va se relever. Ton affaire va se relever. Ton affaire va se relever. Tu vois, certaines mamans te disent, même les voisins parlent. Even the neighbors are talking. Madame, tu n'as rien à faire avec ta vie. Have you nothing to do with your life, madame? On a dit. They say, on a dit. They say, pronom de menteur. Pronom of liar. Les gens qui vivent avec les on a dit là. Tu as les problèmes dans ton âme. The problems in your soul. Ce qui est important, c'est que Dieu a dit. God has yes. said. Qu'est-ce que Dieu a dit? What did God say? Qu'est-ce que Dieu pense? What is God Et non, thinking? On dit que. And not they are saying that. C'est plus les mamans qui ont ce problème. Most the mommy have this problem. La fille, fais attention, hein. Be careful, daughter. On dit alors là dehors que. Outside, you say that. Moi, je suis dedans. I am inside. Que ceux qui sont dehors restent dehors. But those who are outside be there. Dans la vie, il y a les spectateurs, il y a les acteurs. Now, the actors and spectators. Dans la vie, il y a les acteurs, il y a les commentateurs. Actors are those who comment. Si leur travail, c'est de commenter. The work is to comment. Et toi, ton travail, ce n'est pas écouter leurs commentaires. The work is not to listen to their si comments. Tu veux réussir dans ta vie, you want to succeed in your c'est life. Pas toi de ceux qui rapportent les commentaires. It depends from those who report si c'est ta mère, c'est pas toi d'elle pour un temps. If it's your mother, si c'est ta grande soeur, c'est pas toi d'elle pour un temps. Amen. Si c'est un ancien d'église, c'est pas toi pour un temps. Si c'est une diaconesse, c'est pas toi pour un temps. Pour réussir dans la vie, c'est pas toi que ceux qui rapportent les commentaires. Dans une église, il y a les commentateurs, il y a les rapporteurs des commentaires. Donc les rapporteurs sont plus dangereux que les commentateurs. Tu n'as rien à faire avec ta vie. Ta vie en chantier, tu n'as même pas encore élevé deux papes. Mais tu commentes les vies des gens. Que Dieu te libère de la stupidité. Que Dieu te libère de la stupidité. Que Dieu te libère de la maladie d'occupation. Occupe-toi de ta vie. Hey, occupe-toi de tes oignons. Yes. Si les oignons te dérangent, occupe-toi de ton piment. Yes. Hey. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Some people don't know what they will eat tomorrow. Mais ils connaissent ce que l'autre a déjà fait depuis deux ans. But they know what the others has done since two years. Tu ne réalises pas que tu es bête. Don't you realize that you are stupid? Tu vois un pasteur, pastor, ces chrétiens n'ont rien à manger spirituellement. Mais Jésus Christ TV pour voir ce qu'on a encore prêché. Tu n'as pas ta vie. Hey. Your life. Je porte mon pantalon, je suis debout, c'est toi que ça sert. Hey. En fait, ça m'énerve en fait. I'm vexing, really. Parce qu'il y a encore ce genre de personnes dans l'église. Because such people exist in the church. Des gens qui doivent se concentrer. Il y a certaines personnes avec qui je parle, ils ont l'impression que j'aime trop l'argent. C'est pas que j'aime l'argent, c'est que les blancs nous ont dit le temps c'est l'argent. One man told us time is money. Et parfois tu me racontes une histoire, je te réponds et ça donne l'argent. At times you tell me a story, I ask C'est pour que tu money. Te réveilles qu'en fait. It's for you to tes égos.
Your equals. Tes égaux. Your equals. Ont déjà trois voitures. Have two cars. Mais toi. But you. Tu racontes l'histoire de trois personnes le même jour. Recount the story of three persons the same day. Pendant que tes égaux. While your equals. Il y a des gens ici, tes égaux ont trois immeubles. Your equals have three buildings. Demande à ton voisin, tu n'as pas honte? Are you not ashamed? Quand je faisais première. When I was in première. Je faisais première C. C. La meilleure façon que j'utilisais pour faire mes devoirs. The best way I used to do my lesson. Je fais un cauchemar que mes camarades sont en train d'apprendre. I had a nightmare that my classmates are studying. Parce que dans notre classe, en première, en terminale, on faisait le défi. Because we were challenging ourselves. En matière scientifique. The scientific. Donc quand je dors. So when I sleep. Je réalise dans mon sommeil que mes camarades sont en train d'apprendre chez eux. I realize that my classmates are learning their lessons. Là, 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 un djoundjou vient me réveiller. Instantly I wake up. Même si j'ai sommeil, je mets mes pieds dans la glace. I put my feet in the et je commence ice, à apprendre. And I start learning. Mais il y a des personnes. But there are people. Il dit même l'autre aussi a échoué. Even the other has failed. Tu as combien de moyenne? What c'est pas ma moyenne note? Qui est important. The note is not important. Mon voisin de banc a eu 9 fort. But the neighbor has 9. Donc en fait, tu justifies ton échec par l'échec de l'autre. So justify your failure by the failure of the other. Tu vois un peu comment les gens sont. You see how people are. Et c'est la sorcellerie et c'est dans l'église. It exists in the church. C'est dans les familles. It exists in families. Donc parce que ta sœur n'a pas encore toi, si tu ne dois pas voir. So because your sister doesn't have you, must not même, have même, mon, même l'aîné de notre famille est comme ça. Even the other is like that. Même ma grande sœur n'est pas encore mariée. Even my elder sister is not married yet. Tu as la tête de ta grande sœur. Have the head of your elder sister. Alléluia. Amen. Donc voilà une personne qui est exclue. This is a person who is excluded. À cause de la loi. Because of the law. Il a dit, la Bible dit premièrement que. The Bible says first of all that. Jésus est pressé par la foule. Jesus is in haste by the crowd. Pour aller guérir quelque part. To go and heal somewhere. Et pendant qu'il est pressé par la foule, il y a quelqu'un au milieu de la foule qui souffre. There is someone among the crowd that is suffering. Il y a une personne au milieu de la foule qui souffre. There is someone among the crowd that is suffering. Non seulement elle souffre. Not only the person is suffering. Mais elle a déjà tout dépensé. But she expended everything already. Le Seigneur aime restaurer les gens qui ont déjà tout dépensé. Yes. The Lord likes to restore those who expended everything already. Si tu as encore un peu. You will still have a little. Ceux qui ont un peu, c'est ceux qui comptent encore sur quelque chose. Those who have a little still rely on something. Ceux qui ont un peu, c'est ceux qui comptent encore sur leur beauté. They are the ones who rely on their beauty. Ceux qui ont un peu, c'est ceux qui comptent encore sur un oncle ou sur une tante. They still rely on an uncle or aunt. Ceux qui ont un peu, c'est sur ceux qui comptent encore sur un bon dragueur. They still rely on a good womanizer. Mais lorsque tu comptes encore sur beaucoup de dragueurs, la restauration divine n'est pas encore possible. But when you still rely on womanizer, divine restoration is impossible. Jésus-Christ agit. And Jesus Christ acts. Il est magie pour ceux qui souffrent. He likes to act for those who suffer. C'est pour ça qu'il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. That's why he said come to me all those who are tired and loaded. Si ta situation ne t'a pas encore fatigué. If you are not yet tired by your situation. Il ne peut pas te décharger. He cannot discharge you. Pour voir qu'une personne n'est pas encore fatiguée, continue à raisonner. You see, a person who's not yet tired, she keeps on arguing. Pour voir qu'une personne n'est pas encore fatiguée, elle continue à beaucoup parler. A person who's not yet tired, start talking to. Tu as vu une personne qui est fatiguée à cause d'une maladie? Have you seen a person who's tired because of a sickness? Elle n'arrive même plus à parler. She cannot speak. Mais toi, tu es encore dans les querelles. But you're still in quarrels. Tu es encore dans les matchs vus. You are still in busting. Tu es encore dans les racontages. You are still in gossiping. Tu es encore dans les insultes. You are still in insults. Tu n'es pas encore fatigué. You are not yet tired. On te parle d'une femme au lieu de 7 jours maximum de menstrues. Instead of 7 days of menstruation. Elle a eu 365 jours fois 12. She had 1 year multiplied by 12. Et lorsque tu sais when you know que l'âme est dans le sang, that soul is found in the blood. Elle a perdu le sang pendant 12 ans. She lost blood during 12 Donc, years. Toutes les bonnes choses qui étaient dans son âme, elle les a perdues. All the good things in her soul, she lost. Il fallait une seule personne. You needed just one person pour la restaurer. To restore her. Jésus-Christ. Jesus Christ. 12 ans. 12 years. Où le sang part. Where the blood is going. On met les poches de sang. The post. Ça part. Infusion of blood, it goes. On met les transfusions sanguines. Blood transfusion. Ça part. Goes. On fait n'importe quoi. Any type of thing they ça do. Ça part. It still goes. Et la Bible dit. And the Bible says. Elle avait tout dépensé. She expended everything. Nous avons un problème dans l'église. You have a problem in the church. Des gens qui viennent à l'église comme s'ils venaient dans un ring de boxe. People who come to the church as they were coming. Le pasteur prêche, le cyprès ça part dans son cœur. The pastor is preaching, he contradicts. Oui, c'est en anglais là qui est bien. He contradicts.
C'est-à-dire que pendant que l'homme de Dieu prêche, while the man of God is preaching, tu vois le gars, il est assis là. He's seated there. Et ce que j'aime sur les gens qui aiment raisonner et contredire ce qui est prêché, c'est que c'est des gens qui souffrent. Those people are those who are suffering. Il n'a rien. He has nothing. Mais il est assis chez lui. But he's seated in his house. Pour insulter les pasteurs. So he saw the pastors. Une jeune fille m'avait dit que moi je ne sais même pas pourquoi elle est dans les églises parce que je n'ai pas de problème. A young girl told me that she doesn't want to go in churches because she has no problems. Tu n'as pas de problème. You have no problems. Regarde dans la vie de ton père. Look in the life la of your father. La même chose qui arrive à ton père quand tu auras 7 ans, ça va t'arriver. The same thing that happened to your father at your age will happen to you. Tu n'as que 23 ans, tu dis les affaires des églises ne m'intéressent pas. You are still young and you are not interested attends by churches. Attends quand tu auras 43 ans. Wait when you have more than 40 years. C'est sera comme si les choses s'abattent sur ta vie. It will be as if things are falling upon et your life. Et tu commences à vivre succession de galères. You start living succession parce of misery. Parce que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le temps marqué. That is what we call the proper time. Le temps marqué pour vivre dans la galère. The proper time to live in misery. Le temps marqué pour vivre dans les problèmes. The proper time to live in problems. Le temps marqué pour vivre dans l'humiliation. The proper time to live in humiliation. Quand le temps marqué là arrive. When the proper time comes. Même si tu fuis ton pays, even if you flee your country, les esprits là vont te poursuivre là où tu seras. Those spirits will follow where you will c'est pour be. Ça qu'on dit prévenir vaut mieux que guérir. That's how we say prevention is better si than pour cure. Le moment, if now, tu as l'impression que tu n'as pas de perte de sang, you feel have no blood tu n'as issue. Pas de perte d'emploi, you have tu no, n'as pas de perte de diplôme, you have no tu n'as pas de perte d'honneur, you have no tu n'as pas de perte honor. De dragueur, no loss of tu n'as pas de perte de finances. No loss of finances. Prépare-toi. Prepare yourself. Un temps viendra a time will come où cet esprit de perte where the spirits of loss va t'attaquer. Will attack you. Ce qui se passe chez ton frère, what is happening to your brother, ce qui se passe chez ton voisin, what is happening to your que neighbor, cette chose t'inspire, may that thing inspire you. Ce qui s'est passé avec ta mère, what happened with your mother, ce qui s'est passé avec ton père, what happened with your father, que cela t'inspire. It may inspire ne sois you. Pas stupide. Don't be stupid. Depuis que tu insultes les pasteurs, ça a changé quoi sur les pasteurs? Since you insult pastor, what has it changed on tu them? Viens regarder le direct et tu commences à insulter, ça nous enlève quoi en fait? Come to follow us and you insult, what does it remove j'ai vu us? Des gens venir dire, oh les gens là aiment les miracles. Well, those people like miracles. Attends, wait. Tu seras emprisonné pour une bête de raison, tu vas prier le miracle là, ça ne viendra pas. You'll be in prison yes. For nothing. I will pray for the miracle, it will not come. Tu auras une maladie que tu n'as pas, que tu ne mérites pas. Tu vas chercher le miracle, tu n'auras pas. You have a bizarre sickness, you'll seek the miracle. N'insultez jamais ce dont vous aurez besoin dans l'avenir. What you need in si pour le moment tu aimes trop la belle parole sans le miracle, like the good word, un jour the viendra, tu vas dire Seigneur, once ma mère ne mérite pas le cancer. Est-ce que tu cancer? Peux faire un miracle? Le Seigneur miracle. Te dira, il y a you, 3 ans, yes, tu as insulté les miracles. Moi je n'insulte pas les miracles. J'apprécie le miracle. Si aujourd'hui je n'ai pas besoin, demain j'aurai besoin. Si je n'ai pas besoin d'argent aujourd'hui, demain j'aurai besoin d'argent. Si je n'ai pas besoin de mariage aujourd'hui, demain j'aurai besoin de mariage. Si tu as tout, n'insulte pas moi qui a besoin. Moi j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de miracles, j'ai besoin de mariage, j'ai besoin d'onction, j'ai besoin de guérison. Les petits enfants, children, parce qu'elle a une licence en droit, she has a degree, parce qu'ils viennent avoir un master, because just had a les master, gens là aiment les miracles. Miracle. Tu n'as pas encore vécu. Tu ne connais pas le nombre de personnes en prison. Ils prison. N'ont rien fait. Règlement de compte. But la seule personne sur qui peut compter, c'est le restaurateur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu crois que tu es arrivé, non? Do you think you have already tu viens t'asseoir ici, tu dis. Les gens des églises aiment seulement les miracles. Attends, miracle. Wait. Tu verras. You will see. Pourquoi est-ce que nous aimons le miracle? Why we love a miracle? C'est qu'il y a une dimension dans la vie. Ton travail life. Ne peut plus rien pour toi. Your work can do ton argent ne you. Peut plus rien pour toi. Hey, ton oncle ne peut plus rien pour your toi. Hey, ton agent ne peut plus rien pour your toi. Can do la seule chose dont tu as besoin, le miracle. It's a miracle. On t'a déjà détecté cancer. Were you given a cancer once? VIH c'est rien. HIV is nothing. On te dit voilà début de cancer. Beginning du of cancer. Of womb. Tu commences comment? How will you start? Tu commences comment? How will you start? C'est parce que tu as trop péché que tu auras le cancer. Because you sin that you have cancer. Ils aiment trop les miracles. Like miracles. Et c'est les petits enfants en fait. Little children. Qui croient qu'ils sont arrivés. They think they ils parlent français. Un général de ce pays qui est décédé. General of this country will die. De cancer. Cancer. Il vient voir un homme de Dieu. He comes to see the man of il God. Dit, moi, je suis Rosicrucien, je suis grand maître. I am a great master of Rosicrucian. Mais j'ai besoin de guérison. But I need healing. Il y a une dimension rose croix ne t'aide plus. There's a dimension where the hammock no more helps. Franc-maçonnerie ne t'aide plus. Free-maçonnerie no more helps. Il n'y a que le restaurateur Jésus-Christ. Yes. He will restore Jesus Christ. Hey. Tu me parles de quoi? What are you talking about? Parce que ton about? Gars est franc-maçon. Because your boyfriend il is est qui? Who is he? Tu
me parles de quoi? What are you talking about? On connaît tous par où ils finissent. We know where they finish. Dernier jour de sa vie. Un pasteur passe là. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Et il fait tout ce que le pasteur dit. He obeys to the mais pastor. De son vivant. But when he was quand alive, il avait les galons. When he had les faux pasteurs là. Fake pastors. Mais à la fin de sa vie. At the end of his ce sont life, les faux pasteurs qui les font accepter Jésus. Fake pastors make them to accept Jesus. Je m'en fous de tes insultes. Hein. I don't care about your insults. Tu es malheureux. You're unhappy. Yes. Il dit dans Apocalypse. In Revelation. Tu crois que tu es quoi en fait? Who do you think you are? Tu dis que tu es riche mais tu es pauvre. Say you are rich but you are poor. Tu es tel argent de quoi? Money of what? Ceux qui sont en prison aujourd'hui avec les milliards. Those who are prison today with billions. Ils font quoi de leurs milliards? How do they use? Que les milliards ne fassent sortir de prison. Aujourd'hui, today, tu dis que tu n'as besoin de rien. You say you need nothing, mais tu ne sais pas. But you don't un know. Jour viendra. One day will come. Tu regardes à gauche. Look at your personne. Left. Nobody. Tu regardes à droite. Look at your right. Personne. There is nobody. Tu regardes devant. You look at personne. Nobody. Et tu vas dire comme David. You say like je David, lève les yeux vers les montagnes. I look up to the mountains. D'où me viendra le secours? Where will come help? Mais tu répondras toi-même. Reply le yourself. Secours me vient de l'Éternel. Yes. Tu deviens arrogant parce que tu avais un diplôme. You become arrogant because you had just a degree. Tu connais le nombre de personnes dans cette église qui ont les diplômes là qui ne s'en laissent à rien. Do you know the number of those who have degrees here and they are useless? Tu deviens arrogant parce que tu viens de sortir de d'une grande école. You become arrogant because you are coming from a big school. Et tu insultes les gens qui aiment le miracle. And you insult those who like the miracle. Tu sais pas que même se lever le matin c'est un miracle. Then you know even getting up in the morning is a miracle. Même se lever le matin c'est un miracle. Even getting up in the morning pour is a miracle. Pour être en vie c'est un miracle. Your life is a miracle. Arrêtez vos bêtises dans l'église. Stop your blunders in the church. Nous aimons le miracle. Like the miracle. Chapelle de la grâce aime le miracle. Yes. Révérend Posa aime le miracle. Yes. Si tu n'aimes pas le miracle c'est ton problème. Yes. Moi je veux le miracle ce soir. Yes. J'ai besoin d'un miracle pour ma vie. Amen. J'ai besoin d'un miracle pour mon ministère. Amen. J'ai besoin d'un miracle pour mes enfants. Amen. Si tu as besoin d'un miracle dis je reçois. Je reçois. Si tu as besoin de miracles, dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Comment arrêter l'arrogance, hein? Tu n'as pas encore vécu, tu es trop jeune. You are so young. Tu es trop jeune. You are so fais young. Fais un tour dans les hôpitaux. Go to the hospital. Les gens meurent chaque seconde. People are dying too. L'agression qui a eu ici dans ce quartier a moins d'un mois. Least one month. Le frère Robin, de l'église et un voisin. Brother and a neighbor. Ils ont été poignardés au même endroit. They were touched at the same au cou. Place, the neck. Mais le gars du quartier mort après 5 minutes. But the neighbor died after et 5 le frère minutes. De l'église, on l'a amené à l'hôpital, on l'a sauvé. And the brother was saved. Parce que 30 minutes plus tôt, 30 minutes on a fait une prière agressive ici. Really an aggressive prayer je ne savais here. Pas pourquoi Dieu nous conduisait à la fin d'un culte avec beaucoup de prières. And I didn't know why. Mais Dieu est en train de préparer un miracle pour un frère. God was preparing a miracle for a brother. N'aime pas le miracle. Don't like the miracle. Tu sauras un jour quand tu feras un accident. You know one day when you have an accident. Tu n'as pas encore fait d'accident mortel. You didn't have a mortal accident. Tu n'as pas accident encore yet. Fait les tonneaux sur la route de Yaoundé Douala. You didn't break down with your car. Tu n'as jamais été agressé dans un taxi par des violeurs. Never you have been robbed. C'est là que tu comprendras que le miracle fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. So again, miracle is a part of the life of a child of God. Arrête pas ton arrogance, mon ami. Stop your arrogance, my friend. Tu n'as jamais été face à face à un grumier. Never you have been face to a et lorry. Que le motoman ne sait pas où partir. And c'est là que tu comprendras qu'on a besoin du miracle. That's what we yes. We need a miracle. Parce que tu as un petit compte bancaire de 2 150 000. C'est ça que tu crois que tu es qui? Who do you think you are? Tu es qui? Who are you? Parce que tu voyages un peu là, tu vas en Europe, tu vas aux États-Unis. Tu es qui? Who are you? Betchacha a eu ça. Betchacha had. Mais quand son heure est arrivée, when his time has come, rien ne pouvait le sauver. Nothing was able to save him. Nebuchadnezzar a eu ça. Nebuchadnezzar had. Mais quand son heure est arrivée, but when his time rien has ne come, pouvait le sauver. Nothing was able to save him. Mais ils aiment les miracles. They like miracles. Continue à critiquer ce dont tu auras besoin devant. Keep on criticizing what you'll be needed. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui. Yeah, things you are doing today. Dieu va te sauver à cause de ces actions dans 3 ans. God will save amen. You in 3 years because of these actions. Il y a des sacrifices que tu fais aujourd'hui. Yeah, sacrifices you are making today. C'est dans 2 ans que tu comprendras la valeur de ce sacrifice. In 2 years amen. You will get the value of your sacrifices. Quand moi j'ai fait l'accident avec mon frère, when I had an accident with my brother, j'avais fait le programme de prière avec l'homme de Dieu qui a eu la révélation. I had a program of prayer with the man of God. Et j'ai fait un sacrifice de 1500 euros. I made a sacrifice of 1 million. J'avais pas encore fait l'accident. I didn't have the accident yet. Et s'il ne faisait pas l'accident là, j'aurais un jour dit que c'est sûr qu'il m'avait menti. Maybe I should have said that he lied. Et quand j'ai fait l'accident, j'ai compris à quoi va servir mon sacrifice. I understood the value of my sacrifice after the accident. Et les choses pour lesquelles le Seigneur te conduit. There are things for which the Lord leads you. Et tu dis, waouh, l'argent, encore l'argent, toujours l'argent.
Mais tu ne sais pas que Dieu te prépare quelque chose. You don't know God is preparing something. Voilà une femme qui sait c'est quoi la définition en français facile de la souffrance. That's a woman who knows the meaning of suffering. Elle veut préparer sa coule. She wants to prepare. Mm. Elle va aller se laver sa coule. She wants to cook it clothes. Elle va aller au marché sa coule. She wants to bathe to go to the market clothes. Le dragueur vient, il voit une belle femme. When Manasseh sees a beautiful woman, il veut l'épouser. He wants to marry her. Il veut faire. He wants to. Sa coule. It flows. Voilà la définition de la souffrance. That's the meaning of suffering. Tu n'as pas vu ça, ce n'est pas dans ta Bible. It is not in your Bible. Elle pouvait être mariée. Could she be married? Tu penses que la femme pouvait être mariée? Do you think that she could be married? 12 ans, il ne fait qu'attendre. 12 years, she's waiting. Voilà une femme qui connaît c'est quoi la définition de la souffrance. That's a woman who knows the meaning of suffering. Et ce qui la fait souffrir davantage, c'est la loi qui pèse sur sa vie. What makes her suffer the more is the law that weighs on her life. Toute femme qui a un flux de sang. Each woman has a blood issue. Est déclarée impure. Is declared unclean. Et dans le staff de Jésus, il y a un gars qui s'appelle Pierre. Il est tranchant quand il faut parler de la loi. In the staff of Jesus, there is a guy who is called Peter, also age. Et puisque cette femme était réputée, puisqu'elle avait vu tous les médecins, donc dans tous les hôpitaux, on la connaissait. In all the hospitals, she was known. Elle ne pouvait mettre ses pieds dans aucune église. She could go in no church. Et lorsqu'on la voit à l'entrée d'un hôpital, on lui dit, paye le billet de session. At the entrance of the hospital, paye les frais de consultation. To ask to pay the bills. Paye tout. Everything. Mais on ne peut pas t'approcher, sinon tu rendras le médecin impur. Otherwise, you will make the doctor unclean. Donc on la fait payer, mais on ne la reçoit pas. Sure, she paid, but she's not received. Voilà quelqu'un qui connaît la définition de la souffrance. That's someone who knows the meaning of suffering. Paye pour choco pour un examen ou bien pour un concours, mais son nom ne sort pas. Corrupt for an exam, but your name will not appear. Paye ou choco pour avoir un travail, mais son nom ne sort pas. Corrupt to have a job, but your name will not paye appear. Paye ou choco pour avoir un visa, mais son nom ne sort pas. Corrupt to have a visa, but your pour visa les will not sort, appear. Mais à ton niveau, ça ne sort pas. The others have, but you not. Parce qu'il y a dans ta vie une malédiction appelée la malédiction de la perte. Because there is a curse called the curse of the loss. Ça dit que partout tout le monde gagne, c'est là que toi tu perds. Where everybody gains, you lose. Partout tout le monde avance, c'est là que toi tu recules. Where everybody moves, that where partout you go tout by. Le monde prospère, c'est là que toi tu es dans la galère. Where everybody prospers, you are in misery. Il y a des gens ici, tu as vu ça dans la vie de ta mère. Some people here, you saw that in the life of your mother. Ne blague pas avec les prières. Don't joke with prayers. Si tu vois ta mère a vécu ça, toi ne t'amuse pas. Do not joke if your mother has experienced la that. La vie de ton père, il est monté, il a dégringolé. Your father climbed and fell down. Dit que tu vois un monsieur qui brillait. Ce man was shining. Du jour au lendemain, il se retrouve à Konengi. From one day to another, he's in prison. Et tu dis, c'est mon père, lui m'a laissé avec l'argent. He pardon. Left me with mommy. Sorry. C'est une malédiction familiale. It's a family curse. Vous pensez que ceux qui sont en prison, c'est parce qu'ils ont trop volé? Do you think those who are in prison are in prison because they tu connais un Camerounais qui ne vole pas? You know a Cameroonian who doesn't steal? Tu connais un Camerounais qui ne vole pas? You know a Cameroonian who doesn't steal? Ils sont pas en prison parce qu'ils ont trop volé. They are not in prison because they rob a lot. Quand le diable est derrière toi. When the devil is after you. Quand le diable est derrière toi. When the devil is behind you. Ne t'amuse pas. Don't joke. Et si tu as vu le diable derrière ton père. If you saw the devil behind your father. Qui va finir avec ton père. When you finish with your father. Il va s'attaquer à toi. He will be after you. Si tu as vu le diable derrière ta mère. If you saw the devil behind your mother. Qui ta mère. When you have finished with your c'est mother. C'est toi qui va prendre. He will be behind you. Quand le dragon poursuivait la femme. When the dragon pursued the woman. Et la femme avait le petit sur le dos. And she had a baby on the back. La femme a fui. She fled. Elle a fui pour elle. She fled. Elle a fui pour le petit. And she fled for the child. Parce que dès que le dragon finissait avec elle. Because when the dragon finished with her. Il va attaquer l'enfant. He was supposed to attack the child. Donc quand le diable a fini avec ton père. So when the devil will finish with your father. Il va te gérer. He will attack donc you. En attendant. So waiting. Ne le laisse pas continuer. Don't let him to continue. Tu vois le feu chez le voisin. You see fire to the neighbor's tu dis, household. Ce n'est pas chez moi. It is not in my quand house. Quand le feu va finir de consumer la maison du voisin, ça va prendre ta maison. When fire will finish to burn that house, will come into your house. Quand le feu va finir avec ta cousine, ça va te prendre. When fire will finish to burn your cousin, will catch you. Quand le feu va finir avec ta grande sœur, ça va te prendre. When you finish with your elder sister, will catch you. Les choses qui sont arrivées à ta mère. Things that happened to your mother. Les veuvages précoces. Early widowhood. Humiliation en public. Humiliation publicly. Prépare-toi. Prepare yourself. Lorsqu'on parle de restauration, tu vois un jeune te dire, moi j'ai pas souffert. Hein. You see a young guy saying, mes parents ont tout payé. My parents pay everything. Regarde comment ta mère a souffert. Look how your mother has suffered. Demande la restauration pour ta vie, pour que ce qui arrive à ta mère ne t'arrive pas. Ask restoration for you not to suffer from the same suffering of your mother. Il y a d'autres personnes aussi qui ont quand même souffert. Hein. Others people have suffered. C'est-à-dire qu'ils avaient. They had. Ils étaient. They were. Mais le diable les a frappés. But the devil has struck them. 12 ans de perte. 12 years of blood issue. Qu'est-ce que tu avais et tu as perdu? What did you have that you lost? Nous devons prier ce soir. We must pray. Amen.
tonight. Le Seigneur doit restaurer cela. The Lord must restore that. Qu'est-ce que tu avais et tu as perdu? What did you have that you lost? Il y a des gens ici qui avaient des marchés à une époque. Some people you had contracts before. Ils avaient des affaires à une époque. They had business before. Ils avaient des connexions à une époque. They had connections before. Ils avaient des relations à une époque. They were having relationships before. La malédiction de la perte s'est abattue sur eux. The curse of the loss fell upon them. Nous devons prier ce soir, Église. We must pray tonight, church. La Bible dit qu'elle a beaucoup souffert entre les mains des médecins. She suffered a lot in the hands of the medical doctors. Elle a beaucoup souffert entre les mains des médecins. She suffered a lot in the hands of the medical doctors. Elle a tout dépensé. She expended everything. Tout son bien. All her goods. Donc tu comprends qu'elle n'était pas pauvre. You understand she was not poor. Mais le mal qu'elle a eu l'a rendue pauvre. But her pain made her poor. J'ai vu les gens dire, les gens des églises là, ils ne travaillent pas, ils vont s'asseoir à l'église et espérer que le miracle, l'argent tombe du ciel. Members of churches are not working, they are just hoping for money to fall from heaven. Si toi qui aimes critiquer les gens des églises là, chaque personne de l'église te prenait la parole pour te dire les choses qu'elle a entrepris. If each person takes the floor to tell you the things she undertook. Les affaires qu'elle a mis sur pied. The business she set in place. Les projets qu'il a et que ça ne marche pas. The plan he has that don't work. Tu comprends que toi qui insultes les gens des églises, tu es un feignant. You understand that you are a weak guy. Les gens ne viennent pas prier parce que toute la journée n'ont rien fait de leur vie. People don't come to pray because they have done nothing in les their life. Les gens prient et se battent en même temps. They pray and they struggle. Ah, les gens des églises là, alléluia, amen, alléluia, amen. Ils ne travaillent pas. They don't work, member of churches. Il y a des gens ici qui te diront que toute la journée ils étaient au front. Some people will say that all along the day they were struggling. En train de se battre pour gagner un nouveau commerce. Struggling to have a new business. Une nouvelle affaire. A new business. Elle a perdu tout son bien parce qu'elle a eu les biens. She lost all her goods because she had goods. Je vais te dire, toi qui n'as pas encore tout perdu. You has not yet lost anything. Si tu as commencé à perdre. If you started losing. Fais attention. Be careful. Quand le diable commence à te faire perdre. When the devil starts making you losing. Il va te faire tout perdre. He will make you lose everything. Quand Job a perdu quelques bœufs, il a cru que c'était le jeu. When Job lost his oxen, he thought it was Satan a game. Ah, Satan, il sait que tu blagues, car tu vas toucher les bœufs, mais tu vas pas toucher les ânes. You will touch the oxen, but not the donkeys. Okay. Wait. Tu vas toucher ma santé, mais tu vas pas toucher mon mariage. You touch my health, not my marriage. Tu vas toucher mon mariage, mais tu vas pas toucher mon enfant. Touch my marriage, not my child. Tu vas toucher mon enfant, mais tu vas pas toucher mon père. Touch the child, but not the father. Quand le diable commence à toucher quelque part, when the devil starts touching somewhere, s'il n'a pas exterminé, c'est pour ça que la Bible l'appelle exterminateur. He's called exterminator. Le dévoreur. The devourer. S'il n'a pas fini de détruire tout, if he has not finished destroying everything, il ne laisse pas. He will not abandon. Tu as commencé à perdre des choses et ça ne t'inquiète pas. You started losing things and you are not worried. Les diplômes disparaissent dans la maison, ça ne t'inquiète pas. Degrees disappear, you are not L'argent worried. L'argent disparaît dans la maison, ça ne t'inquiète pas. Money disappears, you are not Les worried. Les sous-vêtements disparaissent, ça ne t'inquiète pas. On the way disappear, you are not worried. Attention. Watch out. Attention. Be careful. Attention. Be careful. Et les gens, si tu as perdu un sous-vêtement, tu ne comprends pas. You lost your underwear, you are not getting. Elle avait tout dépensé. She expended everything. Sans qu'aucun ne pût la guérir. Without nobody to heal her. Personne n'a pu la guérir, même pas Luc. Nobody was able to heal her. Qui marchait avec Jésus. Not even Luke was working Personne with Jesus. Personne ne put la guérir. Nobody was able to heal her. Mais dans sa souffrance, elle lisait. But in her suffering, she was reading. La restauration divine. Divine restoration. Vient souvent lorsque on médite. Comes usually when we meditate. Je vous ai dit parlant de Jérémie. Talking about Jeremiah. Il dit quand il pense à sa détresse, à sa souffrance. When he thinks about his suffering. Il lit aussi la parole. He reads the word too. Ce qui sauve Daniel. What saves Daniel? C'est que avant de galérer, before being miserable, il méditait. He was meditating. Ce qui sauve Josué. What saves Joshua? C'est que avant d'affronter Jéricho, before facing Jericho, il méditait. He was meditating. Il y a des moments de prison, at times in prison, des moments de galère, time of misery, de sécheresse, time of dryness, par lesquels tu passeras, through which you will go through. C'est ce que tu auras mémorisé, what you have registered, que tu vas repasser dans ton âme, that you will think in your soul. Une personne qui ne lit pas la parole, person who doesn't read the word, une personne qui ne médite pas sur la parole. Person who doesn't meditate on the word. En cas de problème, in case of trouble, pas seulement pleurer. We just cry. Trop c'est trop. Enough is enough. Je suis fatigué. I am tired. Le monde spirituel s'en fout de tes pleurs. The spiritual world doesn't take care about your tears. Le monde spirituel est effrayé par tes paroles. It is scared by your words. C'est si tu repasses. If you just think. Si tu ressasses. If you just think. Les paroles dans ton âme. About the words in your soul. Alors le monde spirituel va trembler. So the spiritual realm will tremble. Mais vous n'arrivez même pas à lire la Bible. But you are unable to read the vous Bible. Vous n'arrivez même pas à écouter, réécouter les messages. You're unable to re-listen to the message. Et vous espérez traverser le désert comment? And how will you hope to cross over les the wilderness? Les enfants d'Israël disent, nous avons appris ce que tu as fait à nos pères. We learn what you have done to our fathers. Ils ont appris ça en lisant. They learn by learning. Nous avons appris ce que tu as fait, le bien que tu as fait à nos pères. We learn what you have done to our fathers.
Nous avons appris les bonnes choses que tu as manifestées au temps de nos pères. We learned the good things you manifested at the time of our fathers. Mais vous, tout ce que vous intéresse, c'est le racontage, le congossa sur les gens. But you are just interested by gossiping. Et le jour que tu as un problème, and that they have a problem, c'est l'esprit de la personne sur qui tu faisais le congossa là qui va venir dans le rêve. The spirit of the person will appear in your dream. Mais c'est le problème de l'église. That's the problem of the church. Sans que personne ne puisse l'aider. Without no one be able mais to help. Mais elle avait une grâce. Grace. C'est que dans ces moments d'exclusion, in her time of exclusion, les hommes l'ont exclue. Men excluded her. Mais elle avait la parole à ses pieds. But she has a word at her feet. Ta parole est une lampe à mes pieds. Your word is a lamp on my une feet. Une lumière sur mon sentier. A light on my path. Donc pendant qu'elle lisait la parole, while she was reading the words, un sentier s'est dressé sur son chemin. A path was made on her way. Elle a commencé à se rapprocher de la parole. She started coming close to the words. Et dans la parole qu'elle lisait, in the word she was reading, elle a vu quelque part dans le décalogue, she saw somewhere où il avait été dit, where it was said, de génération en génération, from generation to generation, il dit au sacrificateur, he said to the high priest, de couper sur le bord du vêtement, to cut on the corners of the garment, une partie d'ouvrir, a part, et de mettre un cordon bleu, and to put a blue cord, qui sera un signe de génération en génération. Be a sign of generation to et toutes generation. Les fois où vous verrez ce cordon, vous penserez à ma parole. Think about my et words. Dans ma parole, il y a la miséricorde. My word, dans ma parole, il y a la compassion. My word, dans ma parole, il y a la restauration. Yes. Donc, pendant qu'elle voyait les gens passer, elle n'a pas vu l'habit de Jésus. Oh. Elle a ciblé le bord de the my God. J'ai vu dans la Bible, hey, on a dit aux gens d'aller à l'eau profonde, yes. Mais ce soir moi je vois la fête sur le bord, hey. Donc il y a des choses qui ne sont pas à l'eau profonde, il y a des choses qui sont au bord, hey. Il y a une guérison au bord, hey. Il y a une bénédiction au bord, yes. Il y a une élévation au bord, yes. Parce qu'il a dit, hey, de génération en génération, yes. Lorsque vous verrez le bord du vêtement, hey, vous penserez à ma miséricorde, yes. Je veux dire à quelqu'un, la restauration sera possible. La restauration sera possible à partir du bord de son vêtement. La restauration de tes affaires, la restauration de tes projets, la restauration de ton ministère, la restauration de ta famille, la restauration de ta vie. Je dis à partir du bord, à partir du bord. Ma Bible déclare, ils avaient des aveugles, ils étaient au bord du chemin, ils ont crié, fils de David, fils de David, je viens dire à quelqu'un, ta famille t'a laissé au bord du chemin, ton ex t'a laissé au bord du chemin, les affaires t'ont laissé au bord du chemin, la santé t'a laissé au bord du chemin. C'est au bord du chemin qu'il passera. Ce soir je déclare, le Seigneur passera au bord. Il passera au bord. Le Seigneur passera au bord. C'est là que tu vas attraper son vêtement. C'est là que tu vas attraper son vêtement. Je viens prophétiser. Je viens déclarer. À cause du bord de son vêtement, la perte va s'arrêter. La maladie va s'arrêter. La guérison viendra. Les envoûtements vont s'arrêter. La limitation va s'arrêter. Les blocages vont s'arrêter. L'humiliation va s'arrêter. Donne-moi l'air de bien. Amen. Est-ce que tu peux te mettre sur des pieds? Nous allons prier. Hey. Il a dit à son peuple de génération en génération. He told his people from generation to generation. Dans le livre de Nombre. In the book of Numbers. De génération en génération. From generation to generation. Une frange au bord de leurs vêtements. Tassel at the corner of your garment. Mettez-y un cordon bleu. Et quand vous allez le regarder, vous vous souviendrez de ma loi. La même loi, the same law, qui a condamné le sang, that condemned the blood, c'est la même loi, is the same law, qui dit venez à moi, that says, yes, come to me, vous tous qui êtes fatigués, all those who are tired, et chargés, and charged. Si les autres se sont concentrés sur la loi qui condamne, if the others are focused on the law that condemns, ce soir je me concentre sur la loi qui acquitte. Tonight, I focus on the law that si ils se sont concentrés sur la loi qui rabaisse, if they focus on the law that ce soir je me concentre sur la loi qui élève. Tonight, I focus on the law that dans la up. Même loi, the same law, qui dit il faut tuer la femme adultère, say, kill the adulterous dans la woman. Même loi, in the same law, il dit il faut pardonner à la femme adultère. Forgive, yes, the adulterous dis woman. Père au nom de Jésus, Père au nom de Jésus, que toute perte dans ma vie, que toute perte dans ma vie, perte de finances, perte de finances,
perte des relations, perte de relations, perte des affaires, perte des affaires, perte des faveurs, perte de faveurs. S'arrête ce soir, s'arrête ce soir. Pendant je prie, pendant que je prie, en claquant les mains, en claquant les mains. La perte s'arrête, ça s'arrête. La perte s'arrête, ça s'arrête. La perte s'arrête, ça s'arrête. Pendant que tu pries, pendant que tu pries. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Prie, 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 prie. En claquant les mains, en claquant les mains. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie, 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 prie. Que toute perte s'arrête ce soir. Que toute perte s'arrête ce soir. Que toute perte s'arrête ce soir. Pendant que tu pries, pendant que tu pries. Pendant que tu pries, pendant que tu pries. Pendant que tu pries, la perte s'arrête. La perte s'arrête. La perte s'arrête. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries, la perte s'arrête. La perte s'arrête. La perte s'arrête. La perte s'arrête. Prie. Prie, prie. Ça doit s'arrêter ce soir. Ça doit s'arrêter ce soir. Ça doit s'arrêter ce soir. Cette maladie doit s'arrêter ce soir. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que la perte dans ma famille s'arrête. Que la perte dans ma famille s'arrête. La perte de l'honneur. La perte de l'honneur. La perte de la grandeur. La perte de la grandeur. La perte de la faveur. La perte de la faveur. Ça s'arrête dans ma famille. Ça s'arrête dans ma famille. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, élève ta voix et 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 prie, 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 prie. Je veux t'entendre prier ce soir. Je veux t'entendre prier ce soir. La perte dans ta famille s'arrête. La perte des grands dans ta famille, ça s'arrête. La perte de l'honneur s'arrête. La perte des valeureux, ça s'arrête. Ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Pendant que tu pries, pendant que tu pries. Pendant que tu pries, pendant que tu pries. Pendant que tu pries, pendant que tu pries. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je veux que le sujet de prière ici, qui sera peut-être l'avant-dernier, que tu pries sérieusement. Il y a des gens ici, tu avais des opportunités pour faire que ta famille devienne riche sur 3 générations. Mais tu as perdu ces opportunités. C'est-à-dire que tu étais en face des personnes qui pouvaient ouvrir ta vie. Il suffit juste que la personne décide, elle signe ou bien elle donne sa parole. La personne avait la volonté, mais un sorcier dans l'environnement est venu gâter. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout ennemi de ma destinée. Que tout ennemi de ma destinée. Tout ennemi de ma grandeur. Tout ennemi de ma grandeur. Tout ennemi de mon honneur. Tout ennemi de mon honneur. Qu'il meure pendant que je prie. Qu'il meure pendant que je prie. Qu'il tombe pendant que je prie. Qu'il tombe pendant que je prie. En claquant les mains. En claquant les mains. En claquant les mains. Pendant que je prie. 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 Il tombe. Pendant que je prie. Il meurt. Il tombe ce soir. Il tombe ce soir. Il tombe ce soir. Pendant que je prie. Ce soir. Pendant que je prie. Qui tombe ce soir. Pendant que je prie. 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 L'ennemi de ma gloire. Il tombe. L'ennemi de ma destinée. Il meurt. L'ennemi de mes il enfants. Il tombe. L'ennemi de mon ministère. Il tombe. L'ennemi de mon il ministère. Il est renversé. Il tombe ce soir. Il tombe ce soir. Il tombe ce soir. Il est renversé. Il tombe ce soir. Il est écrasé. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Il a bronzé les télérébos aînés. Les bras s'attardent sont tôt. Et les bons pendant que je prie, pendant que je prie. Pendant que je prie, pendant que je prie. Pendant que je prie, pendant que je prie. Les soupras, les carabras sous la talarane les bossés. Icabros et télé les bossés. Retélébros autoré à la bossée. Requête télé bon doré bossés.
Au nom de Jésus, amen. Amen. J'y perds au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout homme fort. Que tout homme fort. Que tout sorcier. Tout sorcier. Que tout sataniste. Que tout sataniste. Qui cause ma perte. Qui cause ma perte. Dans les finances. Dans les finances. Dans les relations. Dans les relations. Dans les mariages. Dans le mariage. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Qui tombe ce soir. Qui tombe ce soir. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Pendant que je prie. Qui tombe ce soir. 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 Pendant que je prie. Yes. Pendant que je prie. Yes. Il tombe. 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 Les rebos satanara. Et calabraso sararane les bossés. Il prend son sourire. Oh, ta façon de prier n'est pas encore bon. Prie avec violence. Prie avec puissance. Il a dans la bosse. Rataya rararara. Présoupra itala roche. Précorabande la brosse tatara. Prévere les bossés. Ketetete. Il prend dans l'os satéliama. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il y a des gens ici. Une nomination est en vue. Une élévation est en vue. Yes. Une promotion est en vue. Yes. Un mariage est en vue. Un mariage. Quelque chose de bon est en vue. Quelque chose de bon. Mais il y a quelqu'un qui a voilé ta vie. Yes. Il y a quelqu'un qui a voilé ta vie. Oh my God. Pendant que tu lèves tes mains, uh-huh. Je prophétise. Yes. Le voile prend feu. Ça prend feu. Je vois 14 personnes. 14 personnes. C'est un moment crucial. Oh. Mais il y a un voile qu'on a mis sur toi. Qu'on a mis sur je toi. Je vois 14 personnes. 14 personnes. Le feu de Dieu te libère maintenant. Le feu de Dieu. Il y a 14 personnes. 14 personnes. Sécurité, soyez concentrés. Puissance de Dieu. Amenez-les ici devant. Puissance le de feu Dieu. Tombe sur eux. Le feu. Et Dieu les libère. Le feu. Je vais les toucher. Le feu. Je vais les toucher. Le feu. Puissance de Dieu. 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 Le feu. C'est le moment. Le feu. Le Seigneur te libère. Le feu. Le Seigneur te libère. Le feu. Le Seigneur te libère. Le feu. Il libère ta nomination. Par le feu, par le feu. Il libère ton élévation. Par le feu, par le feu. Il libère ta grandeur. Par le feu, par le feu. Il libère ton mariage. Par le feu, par le feu. Il libère ta promotion. Par le feu, par puissance le feu. De Dieu. Par le feu, par puissance le de Dieu. Puissance. Puissance de Dieu. Puissance. Puissance de Dieu. Puissance. Puissance de Dieu. 14 personnes. Puissance de Dieu. 14 yes. personnes. La puissance Jesus. De Dieu te localise. Yes. Le feu, le feu. Restauration. 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 Par 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 le feu. Lève tes mains. Par le feu. Je déclare. Yes. Je prophétise. Yes. Restauration. Restauration. Dans ta vie. Restauration. Je vois 14 personnes. 14 personnes. Le voile qui est sur ta vie. Le voile. Ça prend feu. 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 Le voile prend feu. Ça prend feu. Le voile prend feu. Ça prend feu. Et ton mariage est libéré. Est libéré. Ton étoile est libérée. Libéré. Je vois 8 personnes. 8 personnes. Ton étoile a été voilée. Voilée. Ton étoile a été voilée. Voilée. Pendant que tu lèves tes mains. Pendant que tu lèves l'onction tes mains. Te libère. La puissance de Dieu. L'onction te libère. Le feu te l'onction libère. Te libère. Ça te libère. L'onction te libère. Ça te libère. L'onction te libère. Ça te libère. L'onction te libère. Ça te libère. Le voile qu'on a mis sur ton étoile. Yes. On a mis le voile sur ta carrière. Uh-huh. On a mis le voile sur ton élévation. Oh my God. On a mis le voile sur ta vie. Oh my God. Pendant que tu lèves tes mains, tu lèves tes mains. Le feu descend. Le feu. Le feu descend. Le feu. Le feu descend. Le feu. Tu dois briller. Tu vas briller. À l'échelle internationale. Tu vas briller. À l'échelle internationale. Tu vas briller. Je vois quelqu'un venir. Yes. D'une terre lointaine. Uh-huh. Voici la parole de quelqu'un. Uh-huh. Voici la parole de quelqu'un. Par le feu. Une terre lointaine. Une terre lointaine. Il viendra de loin. De loin. Pour venir te faire du bien sur place. Fait. L'onction de Dieu. Aha. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Puissant de Dieu. L'onction de Dieu. Puissant de Dieu. L'onction de Dieu. Puissant de Dieu. Tu es localisé. Localisé. Tu es localisé. Localisé. Le Seigneur te nettoie. Il te nettoie. Il te purifie. Il te purifie. Il te libère. Il te libère. Je vois une personne ici. Yes. On a jeté la poussière mystique sur toi. Oh my God. Pour te rendre inutile. Aha. Tes diplômes inutiles. Aha. Ta beauté inutile. Aha. Et ta peau a eu les problèmes. Oh my God. Tu as eu les problèmes de peau. De peau. Parce qu'on a jeté les ossements humains sur toi. Yes. On a écrasé les ossements. Uh-huh. On a soufflé sur toi. Uh-huh. Pendant que tu lèves tes mains. Pendant que tu lèves tes mains. Onction de Dieu. Puissant de Dieu. Viens te libérer. Puissant de Dieu. Te nettoyer. Puissant de Dieu. Te purifier. Puissant de Dieu. Te restaurer. Puissant de Dieu. Te libérer. L'onction de Dieu. Restauration. L'onction de restauration. L'onction de Dieu. Restauration. L'onction de Dieu. Restauration. L'onction de Dieu. Restauration. Yes. Restauration. Yes. Restauration. Yes. Restauration. Yes. Restauration. Yes. Je déclare. Yes. Je prophétise. Yes. By
fire. By force. By fire. By force. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. De l'esprit de perte. Tu es libéré. Tu perds l'argent. Tu es libéré. Tu perds l'argent. Tu es libéré. Tu perds l'argent. Tu es libéré. Tu perds les relations. Tu es libéré. Tu perds les affaires. Tu es libéré. Ce soir. Ce soir. Tu es libéré. Tu es libéré. De l'esprit de perte. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. De l'esprit de perte. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. De l'esprit de perte. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. De l'esprit de perte. Tu es libéré. Ils viendront. Aha. Ils ne partiront plus. Yes. Ils viendront. Yes. Ils ne partiront plus. Yes. L'argent viendra. Aha. Ça ne partira plus. Aha. Les opportunités viendront. Aha. Ça ne partira plus. Yes. La faveur viendra. Aha. Ça ne partira plus. Amen. La grandeur viendra. Aha. Ça ne partira plus. Amen. L'élévation viendra. Yes. Ça ne partira plus. Ça ne partira plus. Lève tes mains bien. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. L'onction de Dieu est dans la salle. Touch me one more time. Lève seulement tes mains, Dieu est en train de visiter les gens. Je sens une onction prophétique remplir la salle. Une onction prophétique. Yes. Lève tes mains. Touch me, touch me, touch me, touch me. Lève tes mains. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Yes. Le feu de Dieu. Aha. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu. Oh, I need a touch of the Master. Lève tes mains, je déclare ce soir. Yes. Je prie pour toi. Je prie pour ceux qui sont connectés. Je prie pour les membres de ta famille. Yes. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour perdre, un temps pour récupérer. Yes. Parce que nous sommes dans la saison de restauration. Tout ce que tu as perdu, yes, à cause de la malédiction, de la perte, le Seigneur te remet son nom de Jésus. Amen. Tu as perdu beaucoup d'argent dans les affaires. Et tu as perdu beaucoup en faisant du bien aux gens. Tu as soutenu les gens. Tu as hébergé les gens. Tu as encadré les gens. Tu as épaulé les gens. Mais c'est eux qui t'ont fait perdre. Je viens parler sur ta vie. Yes. Je viens parler sur ta vie. Yes. Le Seigneur te restaure. Te restaure. Je parle à une maman. Tu as fait trop de bien aux gens. Tout le monde t'appelait la mère. Tu as fait trop de bien aux gens. Mais les mêmes t'ont trahi. Les mêmes t'ont saboté. Les mêmes t'ont accusé. Mais ce soir, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Tout ce que tu as perdu en faisant du bien aux gens, le Seigneur remet. Amen. Le Seigneur remet. Amen. Le Seigneur remet. Amen. Tout ce que tu as perdu en aidant les gens, en soutenant les gens, en finançant les gens, en accordant de l'aide aux gens, en ouvrant ta porte aux gens. Tu as ouvert ta maison à tout le monde. Dans ta maison, tout le monde passait. Mais quand il grandissait, il t'oubliait. Je viens parler sur ta vie. Yes. Le Seigneur te remet. Il te remet. Il te restitue. Il te restitue. Il te restitue. Il te restitue. Il répare. Il répare. Il répare. Il répare. Il répare. Il répare. Là où on a gâté. Il répare. Il répare. Il répare. Une personne à qui tu as fait du bien, amener encore ton nom chez un marabout pour te bloquer. Une personne que tu as hébergée, amener ton nom chez un marabout pour te bloquer. Mais ce soir, je viens prier pour toi. Yes. Mais ce soir, je viens prier pour toi. Yes. Le Seigneur te libère. Il te libère. Le Seigneur te libère. Je 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 libère. À cause de l'onction, à cause de sa présence, à cause de sa puissance, nous provoquons la restauration dans ta vie. Amen. Nous entrons dans une saison de restauration. Amen. Tout ce que tu as perdu sera restauré. Restauré. Tout ce qui te manquait sera restauré. Restauré. C'est à ta mère que les choses ont été faites. Aha. Les choses sont compliquées au niveau de ton père, au niveau de ton mari, au niveau de ta mère. Mais à cause de l'onction de restauration, à cause. Le Seigneur te libère. Il te libère. Le Seigneur te libère. Il te libère. Au nom de Jésus-Christ. Amen.